Salut, c'est jeudi. Je vous avais dit, j'ai rendez-vous avec les copines pour manger. Je suis vraiment pas en avance. C'est ça, quand t'as de l'avance, eh ben, tu perds très vite ton avance parce que tu prends le temps. Nuit de merde, j'ai extrêmement mal dormi et je me suis pourtant couchée tôt. Trois fois dans la nuit, je me suis réveillée avec des douleurs. Là, le truc qui te fait bien flipper. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai écouté des vidéos d'hypnose pour me détendre. Ça ne veut pas dire que ça a fait grand-chose. Bref, je vais me dépêcher, je vous reprends là-bas. Je pense que je suis la première, puisqu'il n'est même pas 30. J'ai un peu speedé. Il fait super bon, c'est cool. On va pas les manger en terrasse non plus, mais c'est agréable. En même temps, normalement, c'est là, la terrasse. Alors, est-ce que je vais les attendre dans le hall en buvant un petit verre? Je sais pas. Vous avez pas dit bonjour, en fait, au vlog? Oui, c'est vrai. Ah oui? Oui, je suis pas coincée. Ben on s'en fout, on voit pas ta tête. Ah, c'est bon, ça m'arrange alors, c'est bon. Je sais pas quoi utiliser comme sérum. Tu as des conseils à me donner en sérum? Ouais. La marque Rennes, R-E-N. Salut. Je peux, moi j'ai. Moi j'ai acheté. Vous savez qu'il faut mettre sérum si. Sérum et crème, oui, je sais. Moi je prends la bière. Et ben moi j'ai acheté une crème pour le contour des yeux. Oui. Je l'ai acheté à Leclerc, là, au truc de parfum, Leclerc. J'ai payé 54 €. Je trouve pas de différence. Et la meilleure box, c'est laquelle? Birch? Alors, le problème, c'est que c'est des miniatures. Birch box. Ouais, je sais, ouais. Des miniatures. On n'a pas du full size. Il y a une box qui est top, qui est un peu plus chère. C'est Prescription Lab, qui est une très bonne. Et si tu veux des goodies, donc des cadeaux en plus, My Little Box. Franchement, je suis à Birch. Et moi, j'ai pris donc maïs. Je m'attendais pas à un petit bout comme ça. Faut que je vous dise, donc Gaëlle t'as pris ça, toi bon raisonnable, moi que dalle. Pourtant, j'aurais bien pris. Tu veux une médaille? Tiens, elle est devenue brune, elle était blonde avant. Pas trop près. Ben non, on voit que tes cheveux t'inquiètent. Ah, d'accord. J'ai un manger au chocolat. Je te fais pitié, non, j'en veux pas, merci. Je suis brune, châtain. Châtain plutôt. Ah bah là, t'es pas brune là. Carrément, d'ailleurs, c'est châtain. Auburn. Là, t'as fait une expérience capillaire. T'as touché quoi ça ou je l'ai fait quand même? C'est pas méchant, hein? Mais non! Pourquoi tu te manges? Au beurre! Bah, disons, attends, je monte juste le haut de la tête. Moi, il y a des petits rôles qui ont fait mieux en monde. Après, bah, pas beau, ça va aller, je fais quoi? Putain, voilà. Je vais dépenser 100 € au lieu de gagner de l'argent, moi. Tu... Mais mon coiffeur est très bien, si tu veux. C'est qui? Crooner. C'est l'heure de payer. Oh, non. Non, on divise par 3, c'est bon. Ouais. Bon, les filles, c'était sympa. Je peux vous filmer de dos quand même? Ah oui, de dos, tu vois? Non, mais. Quoi. Allez. Quand tu rentres et que tu trouves ça. Deux paquets, deux énormes paquets qui t'attendent, Pretty Little Things. Ah, c'est cool. Je m'y attendais pas vu que je suis partie vers midi et demi, enfin midi et quart. Mais tu dis que ça serait demain. Bon. Je ferai donc très certainement la vidéo demain du haul et tout ça, essayage. Par contre, avant de partir, je ne vais pas rentrer parce que comme je suis partie un petit peu juste. J'ai reçu deux paquets ce matin. Donc Emma et Chloé qui m'a gentiment envoyé leur box bijoux et un autre paquet de deux youtubeurs que je suis qui ont monté en fait leur marque, leur gamme de bougies et puis il y a d'autres petits accessoires. J'ai pas encore ouvert le colis, donc on va regarder ça ensemble. Oh, on dirait deux énormes sacs de voyage. Il y a des chaussures aussi. Et voilà, ils vont être bien là. En attendant demain. Les paquets sont là. Donc Emma et Chloé. Je pense, il n'y a pas écrit dessus. Et le paquet de Gaïa un chien. De toute façon, je vous mettrai tous les liens, boutiques et chaînes dans la barre d'infos. On va regarder ensemble. À la base, ils m'ont quand même demandé de choisir une bougie. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il n'y ait qu'une bougie. Je vous pose ici, comme ça vous verrez en même temps. Déjà, le papier de soie avec Dolly and Jack. Noir, très classe, le sticker. Et sur le nœud, bah, on retrouve le logo. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Vous voyez, le couvercle, ça fait comme des petits pots, on va dire, à confiture. J'aime beaucoup le concept, vraiment, bravo. Ça présente très très bien ça, en cadeau. Ce n'est pas terminé. Bah non. Oh, mais ils m'ont mis plein de choses. J'adore. On dirait comme un service avec des baguettes. Regardez. C'est du tissu comme une pochette. Tout est dans le détail. Hein. La cuillère, la fourchette et les baguettes. Vous n'êtes pas droit là au moment où je vous parle. Tout est pensé. C'est magnifique. Je
suis gênée parce qu'il y en a encore, il y a encore d'autres choses. C'est le support noir, justement pour mettre la bougie. Ils ont vraiment de tout hein, dans leur boutique en ligne. Hein. Une noix de coco, j'en avais une qui venait tout droit de Bali, rose. Et là, elle est marron. Je pense que tu peux même mettre des préparations pour faire des soins visage. Tu peux mettre pas mal de trucs ou juste en déco hein, si tu veux. Elle est belle. Hein. Bah ouais, c'est pas fini. Je remontre. Comme c'est beau, ça vous donne une idée si vous commandez. Hein. Tout est très bien en mode. Oh, oh là là, j'ai jamais eu ça et j'ai toujours voulu. En plus, c'est en métal. C'est pour éteindre, je pense, la mèche. Pour éviter, parce que moi, j'ai tendance aussi à le faire avec le doigt. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et, oh non, ils n'ont pas fait ça. Ils m'ont envoyé la cloche. Oh là là. Alors, je suis très, très contente. Oh, la piste a été fabriquée et décorée par nos soins. C'est ça qui est génial. En Occitanie, dans le sud de la France. Pour la fabrication, nous avons utilisé des ingrédients biologiques et naturels, comme je disais, comme de la cire de soja. Végétale issue de cultures non OGM, une cire non toxique, très important, qui ne produit aucune fumée noire et assure une diffusion olfactive lente, homogène et stable. Je vous remercie grandement les garçons et je souhaite beaucoup, beaucoup de réussite à votre boutique. Vraiment, vous le méritez, c'est un très beau boulot. Ils sentent bon, c'est de qualité et il y a du choix. C'est fort probable que je la mette quelque part par là. Sinon ça sera en bas, bon, enfin en tous les cas, elle va être en déco tellement elle est belle. Et faut pas s'arrêter hein. Là j'étais au téléphone, ça n'arrête pas de sonner, et j'ai un coup de barre, attendez. Allô? Ça vous le fait aussi, je n'en peux plus, c'est du harcèlement, je vous jure, j'étais à deux doigts d'appeler. Je reçois 7 fois par jour. Toujours les mêmes personnes, soit ils répondent, soit ils ne parlent pas, soit ils te raccrochent au nez et ça devient relou. Bref, c'est pas grave. J'ai remercié les garçons de leur commande et ils m'ont dit, donc si jamais ça vous intéresse, parce que vraiment, je peux vous dire que c'est des sacrés produits, ils ont fait un petit code promo pour que vous ayez 10% avec le code CAROLINE10 sur la boutique. Donc ça peut vraiment valoir le coup, hein, franchement, top. Et si on se faisait une petite infusion de camomille avec du gingembre, ça peut être sympa ça. J'ai coupé les petits bouts de gingembre, ça va me faire du bien tout ça. Hop, petite pause, après je reprends le boulot. Je, ah oui, alors tu m'as pas dit, donc tu veux de la glace aussi pour ce soir? Ouais. Un peu de glace et puis... Ok. Je sais pas bien, c'est bon. Bon, j'ai décidé d'aller acheter un petit goûter pour mon chéri. Il est fatigué en ce moment, donc je lui ai dit tu te reposes. Les galettes, c'est jusqu'à quand en fait? C'est toute la... Et tout le mois de janvier. Ah, c'est ça. Et ça marche bien, hein? Ouais, bon. J'ai pas de sac, je vais m'embêter avec ça. J'ai pris. Ah oui, parce que j'avais paniqué, j'avais pris que ma carte. Et c'est à partir de 5€, j'étais obligée de prendre deux beaux stocks. Mais voilà la supérette. On est à peine sorti de Noël, là, qu'on en matraque avec Saint-Valentin. Je lui ai pris ça, il est très content. Je crois qu'il a hâte d'être à ce soir. Et ça, je vais le ranger, c'est le deuxième, parce que ça fera peut-être un peu trop. Je suis en train de me dire, coucou, que je vous ai pas montré avec tout ce que j'ai reçu, les bougies. Je vous ai pas montré la box et ma Chloé. 18h16, finalement, je suis pas certaine. Je vais peut-être vous montrer tout ça dans le vlog de demain. C'est possible. En tout cas, je vous la montrerai. Comment ça va, mon Superman? Ça va. Tu l'as mangé la glace déjà? Mmh. Oh, j'étais en train de faire le montage, j'ai même pas eu le temps de manger. Mais... Mais il est que 7h57. Ah oui, 7h57. Oui, bah, je suis en décalage. Ah oui, tu m'étonnes que tu... Que tu quoi? Mais non, mais tu as dit que tu te couchais plus tôt. Oui, mais là, j'étais en plein de boulot, mais bébé. Non, mais on ne travaille pas jusqu'à 8h le soir. Ça, c'est des cons. On ne travaille pas jusqu'à 8h le soir. Mais non, je t'écoute, mais il est trop mignon. Pourquoi ça? Il me parle. Bon. Mais non, bébé, vas-y. Ouais. Non, mais il faut pas discuter avec ton chat. Mais non. Mais si, je suis en train de te parler. Mais je t'écoute, et il est en train de me parler en même temps. Je t'écoute, chérie. Ambiance. Je vais gratter à sa porte. C'est le petit chat. Je peux rentrer? Bébé. Je t'entends pas, je... Ah, tu fais la tête? Mais non, je fais pas la tête. Mais tu voulais dire quoi? Mais non, bon, plus maintenant, là, je suis partie. T'es en combat, ça y est. Bon, bah, on se voit dans la prochaine vacances, alors. Salut.
Oh, je suis en train de faire un truc. Ta tension va monter, calme-toi. Bon, je vais manger. Sur ces belles paroles. Et j'ai pas faim, non. On dit qu'il faut manger léger le soir, bah je crois que je suis bien là. En plus, je crois que je vais même pas prendre de dessert. Je fais des progrès. Oups, je vous laisse maintenant. Ça sera encore un petit vlog, mais bon, comme je vous dis, hein, vous avez l'habitude, ça ne sert à rien de pousser si je ne vais rien faire de plus que très certainement regarder une série, aller me mettre au lit, bouquiner et faire dodo, si j'y arrive, parce que je ne vous ai pas dit. C'est ça que je voulais vous dire. En ce moment, tous les soirs, je fais des cauchemars, et les mêmes cauchemars. Donc ça commence à me prendre la tête. Je me réveille donc avec ces douleurs-là, exactement ici. Donc bah, je m'angoisse, en plus ça me fait mal dans le bras. Et bah, j'enchaîne sur des cauchemars. Mais je crois, parce que c'est un petit peu en rapport avec des choses que j'ai vues sur Netflix très violentes. C'est vrai que je lis beaucoup de polars, de thrillers, d'enquêtes. Et des fois, il y a des scènes. Et je crois que mon subconscient, il a imprimé parce que c'est en boucle. Alors, c'est quasiment les mêmes choses. Mais avec dans des endroits différents et des personnes différentes. Et ça me prend la tête. Je me lève 3 fois dans la nuit en sueur, en panique. Et j'attends et c'est relou. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Bon, c'est pas grave. Je partais de... Mais je savais qu'il fallait que je vous dise quelque chose. En partant ce matin quand j'étais speed. Que je faisais des cauchemars sur cauchemars en ce moment. Ça doit vouloir me dire peut-être que je suis fatiguée. Je sais pas. Bon. Je vous fais un énorme bisou et on se retrouve demain. Demain, ça sera... J'ai pas ouvert, au fait, hein, les fringues, tout. Je ne sais pas. Et j'ai pas montré aussi. Oh là là, mais j'ai plein de trucs à vous montrer. Bon, demain, on se retrouve. Après-demain, bon, il y a plein de trucs à faire. Je vous fais un énorme bisou. Salut. Parce que ça va être froid, là. Oui, oui. Salut.